Frédéric, alors là, peut-être que vous allez pouvoir nous venir en aide parce qu'il y a énormément de bruit ici au Palais Brongniart. Hein, ça résonne, en plus l'acoustique, franchement, est un peu difficile. Et vous, vous avez mis au point un système qui permet d'annuler les bruits. C'est ça, expliquez-nous. Alors, très exactement, le système qu'on a développé est un système pour réduire ou amortir les bruits, et plus particulièrement les bruits liés aux conversations que nous avons. Dans les open space. Problématique majeure dans les open space, en réalité, c'est la perte de concentration, c'est la perte d'efficacité, ouais. C'est la fatigue, c'est le stress. Moins, comme on l'a ici lié à un niveau de bruit qui est très important, oui. Et qui peut créer de la fatigue, que le fait de capter le sens, capter les mots, et à partir de là, se déconcentrer par rapport à son travail. Donc toute la finalité de ce que nous avons recherché, c'est ramener les gens à travailler en open space sans créer de cloisonnement. D'accord. Sans créer de virtu, enfin, ou en tout cas en ramenant chacun dans un espace de travail qui fait qu'il est en sérénité, mais tout en pouvant communiquer avec les autres. Concrètement, comment faites-vous ? Alors, comment on fait ? Concrètement, on a des diffuseurs qui sont des diffuseurs d'un signal sonore. C'est quoi ? C'est des haut-parleurs ? Alors, ce sont des micros, des mini haut-parleurs, effectivement, ouais. Qui vont être implantés dans l'open space de manière très facile, très autonome, sans aucun travaux. On les branche sur une prise électrique, pilotée par un contrôleur qui va réguler en permanence le niveau sonore de manière à ce que la parole puisse rester, effectivement, on va casser ce qu'on appelle les consonnes et casser l'intelligibilité de la parole, qui est la cause principale en fait, de la gêne. Ce n'est pas vraiment un atténuateur de bruit, c'est un brouilleur, c'est un brouilleur de conversation. C'est un filtreur, voilà, on pourrait appeler ça effectivement un phénomène de filtration. C'est-à-dire qu'on passe de conversation intelligible à une espèce de brouhaha. Oui, alors qui n'en est pas un, mais qui du coup permet de rester concentré sur son activité sans être dérangé par les autres. Parce qu'en réalité, les niveaux de bruit ne sont pas très importants. Encore une fois, ce qui crée la gêne, c'est le fait que je comprends ce qui est dit. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut faire l'analogie avec les casques anti-bruit qu'on achète aujourd'hui et qu'on a quand on prend l'avion ou le train ? Voilà. Ce sont deux technologies qui sont, je dirais, différentes, qui sont certainement complémentaires. Mais c'est pas la même chose. Voilà, mais c'est pas la même chose. Le principe du casque anti-bruit, c'est un casque qui vise au contraire à réduire les bruits gérés plutôt par des équipements et à favoriser celui de la conversation. Là, nous sommes sur une technologie qui vise l'inverse. Et en plus, on l'a associé à une LED pédagogique pour rendre chacun acteur et responsable de sa prévention. Car il y a une particularité en matière de bruit et de psychoacoustique, c'est qu'on ne se rend jamais compte de son propre bruit. Regardez autour de nous. Les gens parlent et parleront toujours plus fort parce que l'objectif, c'est qu'eux permettent de comprendre et de discuter avec leurs voisins. Très bien. Eh bien, on se retrouvera aussi au CES de Las Vegas alors. Avec grand plaisir. Bon, merci. Vous allez avoir du mal à atténuer le bruit là-bas. Hein. Je pense à être difficile, mais on trouvera.